le Spitz nain ou loulou de Poméranie, un chien de très petite taille. Le Spitz nain, aussi appelé le loulou de Poméranie, est, comme son nom l'indique, un chien de très petite taille. C'est une véritable petite boule de poils doux à la frimousse rigolote. Le Spitz nain est le toutou par excellence que l'on a envie de prendre dans ses bras et qui le rend bien par le fort attachement qu'il porte à ses maîtres. Le Spitz nain en bref, autre nom, Spitz allemand, poméranien, espérance de vie, 15 ans, poids, 2 à 3,5 kg, taille, 18 à 24 cm, silhouette, fine, poils, long, robe, blanche, chocolat, orange, grise ou noire, caractère, vif et fidèle, origine, Allemagne, type, Spitz, groupe, 5 chiens de type Spitz et de type primitif. Le Spitz nain est d'abord reconnaissable par sa petite taille qui lui donne l'allure d'un chien miniature. Il a une petite ressemblance avec le renard. Ensuite, son épaisse fourrure à l'aspect soyeux et sa queue touffue redressée sont les principales caractéristiques qui font que le Spitz nain est tout de suite reconnaissable. Il a deux minuscules oreilles coupées en pointe situées bien droites sur sa tête au museau pointu. Le Spitz nain possède également une crinière remarquable et abondante sur ses épaules et son cou. Par sa petite taille, le Spitz nain convient parfaitement à la vie en appartement et ses besoins en exercice sont limités même s'il doit quand même se dépenser en courant. D'origine allemande, le Spitz nain qui appartient à la race des Spitz allemands est la race la plus ancienne d'Europe centrale. Il est le descendant de chiens dont on a trouvé la trace à l'âge de pierre. Son surnom, le « loulou de Poméranie », fait référence à la région allemande d'où il est originaire. Le Spitz nain a été reconnu comme race durant la deuxième moitié du 19e siècle. Il est devenu populaire au début du 20e siècle notamment sous le surnom de « chien de concierge ». Le Spitz nain était en effet apprécié des concierges d'immeubles qu'il avertissait par ses aboiements intempestifs de l'arrivée de nouveaux venus. Le Spitz nain est un chien très curieux, actif et sportif. Il est très sociable et adore jouer avec les enfants. Il voue un attachement tout particulier à ses maîtres. Chien de garde à l'origine, il a la particularité de beaucoup aboyer notamment quand une personne arrive ou s'il sent un danger. En plus d'être un animal de compagnie intelligent, le Spitz nain apprécie de se montrer et d'être admiré, ce qui en fait un chien idéal pour les concours et les épreuves de dressage canin. Le Spitz nain aime par-dessus tout rester à l'intérieur d'une maison pour profiter de la vie familiale et de ses maîtres. Il égaie la maison par son esprit vif, curieux, malicieux et son caractère joyeux. Le Spitz nain est facile à éduquer. Comment prendre soin de son Spitz nain? Ses besoins. Le Spitz nain ne demande pas de soins particuliers car c'est un chien qui s'adapte à toutes les situations et à tous les environnements. Même son poil abondant ne nécessite pas un entretien particulier car il est auto-nettoyant. Un brossage quotidien suffit. Le Spitz nain est très affectueux et est particulièrement attaché aux enfants. Il convient cependant de faire attention que ces derniers ne blessent pas le Spitz nain en jouant avec lui de manière brutale. De plus, si c'est un chien qui supporte la solitude, sa principale caractéristique est toutefois d'avoir besoin de beaucoup d'attention. L'alimentation du Spitz nain. Il convient de surveiller l'alimentation du Spitz nain et de ne pas lui donner trop de friandises pour limiter sa prise de poids. Un adulte a besoin par jour de 70 g de viande crue accompagnée d'un peu de légumes. Comme tous les chiens de petite taille, il a besoin de boire de l'eau régulièrement. Il peut aussi se nourrir de croquettes industrielles adaptées à sa taille et à son poids, à condition qu'elles soient de qualité supérieure.
Éducation du Spitznain. Éduquer un Spitznain demande de la cohérence, de la patience, de la fermeté et de la bienveillance. L'acquisition des ordres de base s'obtient grâce à de courtes et régulières séances d'apprentissage durant lesquelles le maître va récompenser l'obéissance de son chien, avec des friandises par exemple. Au quotidien, renforcer positivement toutes les bonnes attitudes et ignorer les mauvais comportements amènera rapidement un loulou à se conduire de façon à satisfaire son humain. De nature robuste, les loulous de Poméranie ne présentent que peu de maladies. Le collapsus trachéal, cette maladie des voies respiratoires qui provoque l'affaissement de la trachée touche les Spitz, comme tous les petits chiens, à tout moment de leur vie. Point médicamenteux en vue de soulager le chien. Les affections de la peau, outre l'eczéma et la pyodermite, les Spitznains, de même que les races nordiques et tous les chiens au pelage pelucheux sont sujets à l'alopécie X. Cette dermatose d'origine hormonale se caractérise par un pelage terne, la perte progressive des poils sur tout le corps, excepté la tête et la partie inférieure des membres, ainsi que le noircissement de la peau. Il n'existe pas de traitement efficace sur le long terme pour cette pathologie essentiellement d'ordre esthétique. Une stérilisation peut toutefois s'envisager dans le but de réguler les hormones, ce qui faciliterait la repousse des poils. Santé du Spitznain ou loulou de Poméranie. Même s'il est de petite taille, le Spitznain est un chien costaud qui ne présente pas réellement de problèmes de santé. Il faut toutefois faire surveiller régulièrement ses rotules, sensibles à des troubles osseux comme la luxation, par un vétérinaire. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.